Les chèques cadeaux peuvent être offerts aux salariés. Le cadeau vient de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il est fait par le comité social et économique dans les autres entreprises. Ces chèques cadeaux sont exonérés de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu sous condition. La première condition est de ne pas dépasser le montant de 171 euros en 2020. Au-delà de ce montant, il faut vérifier qu'ils sont bien attribués dans le cadre d'événements précis. Ces événements peuvent être la naissance, le mariage, la rentrée des classes, Noël. Le montant de 171 euros peut alors être attribué pour chaque événement. Tant qu'ils sont exonérés, les chèques cadeaux n'apparaissent pas sur la fiche de paye. Lorsqu'ils dépassent le seuil ou ne remplissent pas les conditions d'exonération, ils sont traités comme un avantage en nature. Ils apparaissent alors en haut et en bas de la fiche de paye du salarié.